Paulette Ben Roubi et Frida Vanterberg. Odette Abadi. Mala Zimbentbaum. Sarah Goldberg. Mire Gola. Anna Snenes. Bert Hirsch. Sata Simone. Sarah Yeshua. Allegra Felous Capeta. Zivia Lubetkin. Régine Knut Fixman. Dora Amelan. Hélène Crow. Denise Levitt. Rachel Ida Lifshitz. Anna Richtiger. Rachel Schegman. Runka Plutnika. Enea Averbou. Stefa Lembeger. Vivette Samuel. Huguette Val. Paulette Urman. Paulette Sarcet. Liliane Klein-Lieber. Janine Zontag. Jeanne Litz-Paquin. Julia Pirotte. Denise Siekierski. René Ortine. Gilbert Steg. Ella Hirsch. Frida Wattenberg. Juliette Stern. Tosia Altman. Taïkbe Klenseski. Tema Schneiderman. Edith Poulver. Aïka Grossman. Shaika Klinger. Ala Jettner. Rosa Robota. Mindla Diament. Frederica Digger-Brenteis. Fania et Georgette Evensik. Recha Freyer. Vladka Med. Dina Marisa. Gigi Fleischmann. Zosha Ponsranska. Avika Folman-Raban. Bronka Klimbanski. Denise Gamzon. Ninon Haït. Bella Chazan. Raissa Gorlin. Vika Kempner-Kovner. Roska Korska, Zach, Maria et Zelda Treger. Liliane Marx. Mathilde Bassani-Finzi. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne saurez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime n'est pas par le barreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Voilà, c'est un poème de Marianne Cohn, qui est une résistante juive qui a été arrêtée alors qu'elle emmenait des enfants juifs en Suisse. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas bu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su.
il les meurt sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Voilà, c'était La Complainte du Partisan, donc une chanson interprétée par Anna Marley. Anna Marley qui a également composé le chant des partisans qu'on a pu entendre en fond musical sur l'énumération des noms de ces femmes juives résistantes qu'on disait tout à l'heure. Anna Marley est d'origine russe, elle a pris sa guitare et elle a inventé ce chant des partisans, et c'est seulement après, je crois en 1943, que Joseph Kessel et Maurice Druon ont mis des paroles en français, quoi. Mmh. Et Anna Marley, donc, elle s'était engagée à Londres en 1941, elle était cantinière au quartier général des forces françaises libres. Voilà, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Aujourd'hui, on consacre cette émission justement à femmes en résistance. La liberté est revenue, mais effectivement, elles ont été oubliées. Pratiquement toute la résistance est oubliée, mais particulièrement les femmes, sans qui la résistance des hommes aurait été un peu plus difficile à mettre en œuvre. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à l'occasion d'une exposition mémoriale de la Shoah, nous sommes allés, Piquecou et moi, voilà, qu'on s'est décidé à présenter ces femmes, justement, oubliées, comme celles que Piquecou dont vous parlez. Et puis après, je vous en parlerai aussi. Voilà, c'est quelque chose de terrifiant, de très triste et en même temps de très beau, qui donne plein d'espoir quand on regarde ces vies, quand on les lit, quand on les écoute. Voilà, mais c'est quand même assez terrible. Voilà, il faut le dire, surtout l'oubli dans lequel elles sont parties pour ne pas revenir. Je ne sais pas qui a eu cette idée folle de proposer cette exposition publique au mémorial de la Shoah, parce qu'il n'y a pas que les femmes juives au mémorial de la Shoah, il y a toutes les femmes en résistance à travers l'Europe. Voilà. Elles sont toutes citées. Nous, on est un... Enfin, en tout cas, personnellement, je suis plus sensible, si vous voulez, à la résistance des femmes juives, parce que je pense qu'elles étaient encore plus en danger que les autres, quoi. Parce que si jamais on savait qu'elles étaient... Là, les Allemands comprenaient qu'elles étaient juives, et ben, c'était pas... Il n'y avait pas de procès, de jugement, etc. C'était direct les camps d'extermination, voilà. Bon. C'est très poignant, tout ça, voilà. Alors, donc... Ma camarade Piquecou va vous parler de deux résistantes, une Allemande, une très jeune Allemande qui a été tuée avec son frère, et de Bertie Albrecht qui est aussi quelqu'un d'assez exceptionnel, d'assez extraordinaire. Voilà. Dominique Piquecou a été est toujours très bouleversé par ces histoires, Ça la remue un peu beaucoup trop, et on va faire une petite pause après cette émission, parce que bon... Ouais. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'en fait, cette exposition a été faite en parallèle de la publication chez Casterman de 4 albums dans une collection qui s'appelle « Femmes en résistante ». Donc effectivement, il y a 4 femmes qui ont été choisies, on ne sait pas trop... pourquoi. Donc il y a Amy Johnson qui était une Anglaise, il y a Sophie Scholl, une Allemande, il y a Mila Racine qui était d'origine juive, mais... qui était française après, je crois. Oui, elle est française de confession juive. Qui est née à Marseille. Et il y a Bertie Albrecht. Oui. Et c'est... Voilà. C'est,
Pigeco va vous expliquer tout ça avec toute son érudition sur le sujet. Ouais, donc je vais déjà faire un petit peu quelques données un peu d'ensemble sur la résistance féminine pendant la guerre. Donc effectivement, cette exposition, elle propose cette mise en miroir des planches originales des albums de la bande dessinée et à côté, il y a des pièces d'archives et des objets, des photographies qui illustrent le parcours de toutes ces femmes et d'autres, hein, de grandes résistantes. Et tout ça est issu de diverses collections patrimoniales. Donc la place des femmes, effectivement, dans l'ensemble des mouvements de la résistance et la place de la résistance spécifiquement juive dans ce même ensemble ont été longtemps minorées, hein, ou même ignorées. Et les femmes sans qui la moitié du travail de la résistance eût été impossible. Hein. C'est même Roll Tanguy qui disait ça. Et si les femmes sont moins impliquées sur le terrain, on les retrouve quand même dans des fonctions indispensables. Elles s'occupent de secrétariats techniques et logistiques. Elles utilisent le cadre de leur travail et de leurs compétences professionnelles pour se livrer à toutes sortes d'activités. Et elles sont alors des activités qui sont quand même jugées terroristes. Elles peuvent être employées de mairie ou de préfecture, employées des postes. Elles exercent dans des professions médicales, paramédicales, chimistes aussi. Elles dirigent des laboratoires clandestins. Elles peuvent être journalistes ou photographes pour témoigner. Leurs maisons servent de boîte aux lettres pour les organisations clandestines, mais aussi de lieux d'hébergement et de refuge. Et elles participent activement au sauvetage de nombreux enfants juifs. Alors beaucoup furent arrêtées. Elles sont conduites dès les premiers jours dans la prison la plus proche du lieu de leur arrestation. Et les résistantes sont internées ensuite dans des quartiers allemands, des prisons françaises, comme ceux de Montluc à Lyon ou de Fresnes à Paris. Beaucoup sont placés à l'isolement et mis au secret. Et au cours de cette première étape, les résistantes impliquées dans l'activité de leur réseau ou de leur mouvement sont extraites de leurs cellules pour être conduites donc sur le lieu de leur interrogatoire. Entre 1940 et 1944, c'est environ 6700 femmes qui sont déportées depuis les territoires occupés et près de 2200 depuis les territoires d'Alsace et de la Moselle annexés. L'immense majorité d'elles donc étaient des résistantes. Cependant, les politiques répressives au cours de l'occupation évoluent. Donc les premières déportées de France sont ainsi des femmes lourdement condamnées par des tribunaux militaires allemands, conduites dans les prisons et les forteresses du Reich pour y purger leur peine. Et dès 1941, les condamnations se font de plus en plus sévères face à une résistance qui effectivement progressivement se structure. Donc les femmes condamnées à la peine capitale sont chaque mois plus nombreuses et ces femmes sont alors transférées dans une prison allemande, la procédure interdisant de les fusiller en France. Et si la plupart voient leur peine commuée en réclusion à perpétuité, certaines résistantes, membres d'organisations communistes et de groupes francs-tireurs, ne sont pas épargnées, loin de là. Et le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, et la chanson de Jean Ferrat, justement, s'appelle Nuit et brouillard, en allemand c'est Nacht und Nebel. Et en fait, ça fait référence à des décrets des 7 et 12 décembre 1941 qui étaient promulgués par le maréchal Keitel, qui était commandant en chef de la Wehrmacht. Avec le début de la campagne de Russie, en fait, des communistes et d'autres milieux germanophones ont intensifié leurs attaques contre le Reich et la puissance allemande. Et l'étendue de ces menées impose donc des mesures rigoureuses et d'intimidation. Donc les prisonniers arrêtés en France peuvent ainsi être transférés dans le plus grand secret, en laissant bien sûr les proches et la population dans l'incertitude sur le sort des coupables. On peut citer parmi elles une des plus connues, peut-être Charlotte Delbault, qui est ainsi transférée en Allemagne depuis la prison de la Santé. Et 1000 femmes de France seront victimes de la procédure nuit et brouillard entre la fin 41 et le printemps 44. Alors après, elles iront directement aussi dans les camps de concentration et au début de l'année 43, la CIPOSD s'accorde officiellement le droit d'interner sans jugement les suspects grâce au principe de la détention de sécurité. Dès lors, effectivement, après plusieurs mois passés dans les prisons de France, l'immense majorité des femmes déportées sont rassemblées à Compiègne, puis dans le fort de Romainville, qui devient donc à partir de 1944 l'antichambre de la déportation pour les femmes de France. Après, elles pourront être dirigées vers Auschwitz, il y aura beaucoup de femmes aussi, et là il y aura des militantes communistes. Donc j'avais cité Charlotte Delbault, on peut citer Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Et durant l'année 1944, il y a environ 4 800 femmes qui sont déportées depuis les territoires occupés, soit donc les deux tiers des femmes déportées de France dans le cadre des politiques de répression. Le 31 janvier, le plus important transport de femmes de l'occupation est formé avec 959 femmes, dont Mila Racine, dont tu parleras plus tard, et Odette Fabius, qui est l'une des responsables en 1943 du réseau Centurie. Dans le même temps, la déportation des femmes condamnées par des tribunaux militaires se poursuit. Donc plus d'une centaine sont ainsi transférées depuis la France vers les prisons outre-Rhin. Et à l'automne 1944, l'immense majorité des prisonnières encore présentes dans les geôles allemandes sont transférées vers Ravensbrück. Ravensbrück qui servira un peu de rassemblement pour des femmes qui serviront au travail dans les usines de guerre. Donc voilà, après on peut parler un peu donc Bertie Albrecht et Sophie Scholl, parce que c'est des femmes qui sont dans les albums Casterman, mais on aurait pu en citer beaucoup plus. On aurait pu vraiment. J'ai emprunté un livre sur les cahiers de la résistance à la bibliothèque de Montreuil. C'est la documentation française, ça s'appelle Les femmes et la résistance. Et là, on voit qu'elles sont très nombreuses et que chacune a vraiment. Toute sa part a vraiment tout le droit d'exister, d'être reconnue et devrait être citée en fait dans l'émission. Oui, bien sûr. Alors Bertie Albrecht, en fait, elle s'appelle Bertie Wild. Elle est née en 1893 à Marseille. C'est une jeune diplômée infirmière et elle part pour Londres comme surveillante dans une pension de jeunes filles. Après le déclenchement des hostilités de la guerre de 14-18, elle rentre à Marseille et elle joue un rôle important en tant qu'infirmière à la Croix-Rouge dans les hôpitaux militaires. Elle a deux enfants, Frédéric et Mireille. D'ailleurs, Mireille continuera de faire vivre sa mémoire, c'est elle qui va écrire sa biographie. Dès 1927, donc, c'est une militante très active pour le droit des femmes, pour la contraception, pour l'avortement. Lucide sur la réalité du nazisme et hostile aux accords de Munich, elle fonde en 1934 le mouvement Les Petites Ailes. C'est un mouvement qui est créé par Henri Freinet et elle recrute les premiers adhérents et collecte les premiers fonds. Elle fait un centre d'accueil aussi pour les réfugiés allemands qui s'évadent, qui fuient le nazisme. Donc que ce soit il peut y avoir des juifs, des opposants politiques. Elle tente de leur procurer de l'argent, du logement, du travail. Elle fera de même d'ailleurs pour les Espagnols républicains qui sont réfugiés de la guerre civile et qui sont exilés en France. En 1934, elle rencontre Henri Freinet et elle participera donc par la suite à toutes ces initiatives pour la résistance, malgré leurs divergences politiques. Au départ, Henri Freinet est quelqu'un qui est quand même plutôt réactionnaire. Ça fait un peu penser à tous ces parcours d'hommes qu'on avait vus sur Daniel Cordier, qui sont plutôt à droite et qui, au fur et à mesure que de l'avancée de la guerre, quand même comprennent les enjeux et changent. En juin 1940, elle entre comme surintendante aux usines Fulmen à Vierzon et elle profite donc de cette situation dès l'été 40 pour faire passer la ligne de démarcation à des prisonniers évadés. En novembre 40, elle dactylographie les premiers bulletins de propagande du mouvement Les Petites Ailes, créée donc par Henri Freinet, et elle recrute les premiers adhérents, elle récolte encore des fonds, et en mai 1941, elle emménage à Lyon, chargée de mission par le ministère de la production industrielle et du travail pour l'ensemble des problèmes du chômage féminin. Elle fait ouvrir des ateliers de couture pour les chômeuses, et elle fait imprimer à Villeurbanne le journal Les Petites Ailes, puis le journal Vérité. Et de ces deux journaux naîtra Combat. Les bureaux de Villeurbanne dans lesquels elle travaille deviennent ceux du mouvement de résistance, et elle s'efforce de mettre en place un service social de combat, toujours pour venir en aide aux camarades du mouvement qui sont emprisonnés et à leurs familles. Mais la police s'est quand même intriguée par les allées et venues dans les bureaux, et Bertie est arrêtée une première fois. Elle est relâchée 3 jours après, donc elle est obligée de démissionner de son travail. Elle sera à nouveau arrêtée à son domicile fin avril 1942, internée administrativement et arbitrairement. Donc elle exige d'être jugée et elle sera condamnée à 6 mois de prison ferme. Entre-temps, les Allemands envahissent la zone sud. Donc Betty simule la folie, elle est envoyée à l'asile psychiatrique de Bron et elle est libérée par un commando de combat et par l'intervention de son médecin traitant et de sa fille. Elle reprend ses activités clandestines et rejoint Henri Freinet à Cluny. Et là, elle sera arrêtée à Mâcon le 28 mai 1943. Elle est torturée et elle est transférée à la prison de Montluc, à Lyon, puis à Fresnes. Et en fait, on la retrouvera pendue.
on la retrouvera pendue. Donc, elle, pour échapper probablement à aux premières tortures, elle se suicide. Et elle sera faite, elle, compagnon de la libération. Ce qu'on peut noter, c'est que seulement 6 femmes ont été faites compagnons de la libération. Hein, même si les médailles, tout ça, ne nous intéresse pas spécialement, ça, la place des femmes, là encore, a été nettement en dessous de ce qu'elles ont fait. Bien sûr. Et, pardon ? Non, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, mais qu'est-ce que je peux rajouter ? Non, non, sauf que oui, effectivement, elle s'est pendue, justement pour ne pas succomber pour pas que la torture la fasse parler, quoi. Voilà. Elle a été torturée quand même, mais quand elle a compris ce que c'était que ce chose de, lui faire avouer, pour lui faire dénoncer ses compagnons, elle a préféré se suicider. Voilà. C'est quand même inconcevable pour nous, clampins. D'une société qui ronronne, de comprendre l'héroïsme de ces femmes. Voilà. Ouais. Et vous allez voir avec Sophie Scholl, dont Piquet-Co va vous parler aussi, ouais, que c'est pas une rigolade du tout, du tout, du tout. Ce qu'on peut voir quand j'ai feuilleté tout ce livre là sur les femmes résistantes, c'est qu'il y a eu effectivement énormément de dénonciations. Oui. Oui, énormément, énormément de dénonciations. Bah, et les flics, hein, qu'ils soient allemands, gestapistes, tout ce qu'on veut, ou sans balance, bon, ils ne prendraient pas beaucoup de voleurs ou de bandits. Et les résistants étaient assimilés donc à des terroristes. Et vous savez, pour aujourd'hui, voir comment, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour chasser les terroristes, voilà, ça rappelle des souvenirs quand même, même si les convictions sont pas les mêmes, si les buts sont différents, etc. Mais être terroriste aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne. Alors être terroriste avec une armée qui occupe ce pays, vous voyez ce que ça pouvait faire quand ils étaient pris. Voilà. Ouais. Alors Sophie Scholl, on en a brièvement parlé en fin d'émission la semaine dernière, parce qu'on avait regardé le film Les Derniers Jours de Sophie Scholl. Alors Sophie Scholl, c'est une jeune Allemande, elle est née en 1921. Et elle va dans une famille où un père, avec un père opposé au nazisme, une famille plutôt protestante. Et elle va faire partie même au départ des jeunesses hitlériennes. Elle a un frère qui a 3 ans de plus qu'elle. Et il pense effectivement que ça peut être une bonne chose. Donc, et petit à petit, en fait, de par sa culture, de par sa capacité à analyser les choses, elle va voir qu'effectivement l'Allemagne va complètement dans le mur. Et elle va être à l'origine, avec son frère, d'un mouvement qui s'appelle la Rose Blanche. Oui, leur mission, ils se donnent pour mission de faire prendre conscience aux Allemands qu'en fait le pays va dans le mur, qu'il y a la bataille de Stalingrad qui vient d'être perdue et qu'il faut faire quelque chose. Donc ils vont passer une partie de leur temps à rédiger des tracts qu'ils vont envoyer par courrier à plusieurs, un peu partout en Allemagne. Et le dernier tract qu'ils vont distribuer, en fait, ils en ont quelques-uns en plus, et ils vont aller à Munich, ils vont aller à l'université et ils vont les faire tomber du haut de la rambarde au dernier étage. C'est elle qui les fait tomber pour que les étudiants puissent trouver les tracts. Les tracts en arrivant à la fac, et eux, on pense pouvoir partir, quoi. Et manque de peau, là, il y a toujours un concierge zélé qui va les rattraper en disant « Oui, j'ai vu, c'est eux qui ont lancé les tracts ». Et là, en fait, il lui reste effectivement 4 jours à vivre, parce qu'elle et son frère, qui s'appelle Hans, se font arrêter. Et après un interrogatoire où elle arrive un peu à... Elle arriverait presque à bluffer, en fait, son instructeur. Son interrogateur. Et finalement, il y a une perquisition chez eux, donc on retrouve des timbres, on retrouve un bout de lettre. Donc finalement, ils vont être gardés en prison. Et après cet interrogatoire, il y a un jugement vraiment d'une mascarade, quoi, un jugement qui dure quelques heures, où les avocats sont là pour la fermer, pour la parade, en fait. Ils disent pas un mot. Et c'est, comment il s'appelle, c'est Roland Fleischer qui est le juge là du tribunal, ils appellent ça le tribunal du peuple, qui va condamner ces deux jeunes gens et un de leurs amis qui a été pris aussi à mort. Donc en fait, ils seront normalement, ils ont même droit à 99 jours
au cas où on puisse inverser le jugement. Et en fait, dans l'heure qui suit, ils vont être décapités. Décapités. Alors dans le film, on les voit passer à la guillotine. Apparemment, d'après ce que j'ai un peu regardé partout, ils auraient plutôt été décapités à la hache. Oui, parce que c'était comme ça que ça se passait en Allemagne. En France, c'était la guillotine, en Allemagne, c'était la hache, en Grande-Bretagne, c'est la pendaison, en Espagne, c'est le garrot. Voilà. Toujours des choses très sympathiques. Hein. Donc, c'est Thomas Mann, qui était à l'époque, qui était à Londres, en fait, va leur rendre hommage en juin 1943. Il dira que, courageux, magnifiques jeunes gens, vous ne serez pas morts en vain, vous ne serez pas oubliés. Et c'est assez intéressant dans le film parce qu'il y a des archives après la chute du mur de Berlin, il y a beaucoup d'archives qui ont pu être retrouvées en Allemagne de l'Est, donc tout le procès en fait, tout l'interrogatoire plutôt qu'on peut voir entre Sophie Scholl et l'Allemand, là on reste très près de ce qui s'est passé parce que tout était noté, donc on est vraiment tout près de la vérité. C'est intéressant de voir comment elle arrive. C'est presque un débat, pas philosophique, mais sur la vision de l'Allemagne. Enfin, son instructeur était quelqu'un qui n'était pas borné. Enfin, c'était pas le nazi, la brute nazie, apparemment. Quoi. Il a essayé de... Voilà, ils ont échangé leur point de vue. Il a même proposé de dire qu'elle n'avait pas participé à tout ça pour lui épargner la vie. En fait, elle a refusé. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'était assez étonnant parce que dans notre imaginaire ou dans tout ce qu'on a vu enfin, jusqu'à aujourd'hui, les interrogatoires par les nazis, c'est les interrogatoires qu'ont subi des gens comme Bertolt Brecht ou d'autres. Voilà, c'est les interrogatoires... comme on dit, musclés, des tortures, etc. etc. Bah là, non, il semblerait que c'est un interrogatoire assez policé, avec le personnage qui interrogeait Sophie Scholl, il a piqué deux, trois petites crises de colère comme ça, mais sans conséquences physiques pour Sophie Scholl, non, c'était... Moi, j'étais complètement étonné. Moi, je m'attendais à tout moment à ce qu'il y ait un mec qui rentre avec des tenailles, etc., qui commence son petit boulot de tortionnaire, mais non, c'était... Voilà, c'était... Moi, on était toujours, en regardant ça, sur le... en attente, justement, de violence physique, non, ça s'est pas passé comme ça, c'était assez, oui, un interrogatoire, on dirait assez classique, quoi, dans la police, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui ressort, justement, dans le film, c'est toute cette foi, en fait, de ces jeunes gens. Bon, lui, on le voit beaucoup moins, c'est vraiment elle qui s'exprime, ce film tourne autour d'elle, mais toute cette foi, elle agit vraiment dans son âme et conscience, elle est croyante, elle avait pu garder un livre de Saint-Augustin, et en fait, elle ne pourrait pas ne pas faire ça, et quand ses parents viennent la voir juste avant son exécution, elle leur dit, je regrette rien, si c'était à refaire, je le referai demain. Mmh. Et ce qu'on peut voir dans toutes ces histoires de femmes résistantes, de toute façon, c'est que... Voilà, elle connaissait les risques, mais elle ne pouvait pas ne pas y participer. Oui, absolument. Voilà, c'était une fatalité pour elle, quoi. Elle pensait pas... Oui, c'est parce que c'est ça, en fin de compte, qui leur donnait cette force, quoi. C'est qu'elle pensait qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour elle que de faire ce qu'elle faisait. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, étonnant pour des gens comme nous, parce que, bon, je veux dire, on n'est pas confronté à ça. On est confronté, bien sûr, dans les manifs, dans ces... à des choses un peu violentes, mais, je veux dire, là, c'était la mort qui était au bout, voilà, c'était... Et son frère est important, quand même, parce que il a été sur le front de l'Est, et c'est là qu'il a vu les choses, il a vu des juifs massacrés, et puis il y a 330 000 morts, quand même, à Stalingrad, et lui, il était là-bas. Voilà, donc il avait quand même, il avait vu de près, si vous voulez, les dégâts, enfin, effroyables causés par le nazisme, quoi. Donc il avait quand même, il avait des convictions étayées par une expérience terrible, voilà. Alors que Sophie, moins, c'était plus philosophique, si, quand même, parce qu'elle n'avait aucune expérience de ce qui se passait, quoi, voilà. Ils étaient tous les deux issus, comme l'a dit Dominique, des jeunesses hitlériennes.
Faut dire le parcours. D'ailleurs, celui qui interrogeait Sophie Scholl, il comprenait, il essayait de comprendre comment des jeunesses hitlériennes, ils étaient devenus des opposants au régime hitlérien. Voilà, il y avait quelque chose qui lui posait une vraie question. Ouais, mais c'est un film donc on peut trouver sur le net. C'est vraiment un film intéressant. Quoi. Et on peut emprunter, c'est pareil dans les bibliothèques, les carnets et lettres et la correspondance de Hans et Sophie Scholl. Mm-hmm. Alors effectivement, ils parlent pas de leur mouvement, mais il y a cette conviction que petit à petit il faut faire quelque chose et on les voit évoluer dans leur vie. Donc justement, je trouve que c'est un profil aussi assez intéressant. Mm-hmm. Pour s'immerger un petit peu dans leur vie, quoi, de lire leur correspondance. Quoi. Et de ne pas penser comme moi qu'en Allemagne, ils étaient tous nazis. Hein, et que... Non, 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 il y avait des gens. Et être résistant en Allemagne contre le régime hitlérien, je dois dire que ce n'était pas une balade tranquille. Hein, parce que là, quand on voit justement le procès complètement. Je ne sais pas comment dire, une fumisterie sanglante. Quand on voit le procureur, il en a tué combien, le procureur ? Alors, je crois qu'il avait condamné plus de 2000 personnes, en fait. Plus de 2300, quoi, je crois. Ouais, aussi rapide. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est bien, là. Par contre, là, on a reconnu, si vous voulez, en tout cas, moi, j'ai reconnu les méthodes nazies, là, qui n'étaient pas très éloignées des méthodes staliniennes quand il y a eu le procès des blouses blanches, etc., etc., ou de la vieille garde de la Révolution. Voilà, c'est les gens, tout était préparé d'avance, etc. Il n'y avait aucune chance pour les accusés de s'en sortir. Voilà. D'ailleurs, là, comme l'a dit Pizzécu, sitôt la sentence prononcée, paf, l'exécution suivait. Quoi. Là, c'est comme s'il y avait vraiment une urgence à se débarrasser de ces jeunes gens. Voilà, parce que qui étaient quand même des profils complètement atypiques de jeunesse hitlérienne, on devient des opposants farouches, déterminés au nazisme. Quoi. Ouais, ils ont été condamnés quand même pour haute trahison, propagande subversive, complicité avec l'ennemi et démoralisation des forces militaires. Ils ont distribué 6 tracts. Mmh. Et en fait, peu de temps après, le mouvement de la Rousse Blanche, en fait, le groupe a été anéanti parce qu'il y a eu d'autres arrestations, il y a eu des déportations, donc ça s'est arrêté. Quoi. Mmh. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. »
adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, oh mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. C'était l'affiche rouge interprétée par Monique Morelli et c'était donc un poème d'Aragon qui parle du groupe Manoukian. Voilà. Donc le groupe Manoukian, il y avait une femme qui faisait partie de ce groupe, Olga Banchik. Ouais. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission à Racaille, qui est consacrée aujourd'hui à Femmes en résistance, à la suite de la parution aux éditions Casterman de 4 volumes consacrés justement à ces femmes en résistance, et dont le dernier volume est consacré plus particulièrement à Mila Racine. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour cette jeune, elle est morte à 26 ans, cette jeune résistante juive, voilà, parce que elle a consacré, évidemment, c'est pas évident, elle a consacré son action en direction des enfants pour les sauver, les faire sortir de France, voilà, qui lui a coûté la vie. À côté des partisans d'origine juive mêlés aux autres résistants, il existait une résistance juive spécifique par sa composition, ses buts et ses méthodes. Picot vous en a parlé. Voilà. Face aux conditions très variées de l'occupation de l'Est à l'Ouest de l'Europe, elle concentra principalement son action sur le sauvetage, la lutte armée et la résistance spirituelle. Ça, c'est très important parce que ils voulaient garder, si vous voulez, leurs caractéristiques qui les différenciait bien sûr des judéo-chrétiens. Voilà. Se défiant des stéréotypes, la résistance juive a mené des révoltes armées dans des conditions désespérées. Rappelez-vous du ghetto de Varsovie. Et puis dans les centres de mise à mort, regrouper des milliers de partisans maquisards juifs sur le front de l'Est, en France, en Belgique, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et ça, personne, tout le monde l'a oublié. La résistance, c'est pas quelque chose d'uniforme. Elle a aussi déployé une résistance dite spirituelle pour pérenniser l'identité du groupe juif et pas seulement son existence physique. Culture, religion, éducation, valeurs furent des terrains de lutte en direction des adultes comme des enfants. Au sein des réseaux aux idéaux multiples, les femmes furent au premier plan de la lutte et l'historiographie leur accorde aujourd'hui une reconnaissance légitime. Une soixantaine de portraits dont on vous a donné les noms tout à l'heure, parmi des centaines d'autres résistantes sont mis à l'honneur dans l'exposition. Voilà. Alors, bon, comme je l'annonçais, j'ai été particulièrement sensible, si vous voulez, à Mila Racine, dont un des 4 albums est consacré, comme il y a celui sur Bertie Albrecht, etc. Voilà, c'était une très jeune fille, née à Marseille, comme vous l'a dit Piquecou, voilà. Et qui s'est plus particulièrement, je le répète parce que c'est important, consacrée aux enfants, à leur sauvetage, à les faire passer en Suisse, voilà. Ils ont fui le régime soviétique, parce qu'elle est russe d'origine, juive, origine russe de confession juive, voilà.
et ils font le choix de venir en France comme pays d'accueil. Et beaucoup, comme les grands-parents de ma camarade, les arrière-grands-parents de ma camarade, qui sont venus à Paris dans le ghetto. Voilà. Parce que à cette époque, aux yeux des migrants, c'était la patrie des droits de l'homme, comme aujourd'hui d'ailleurs. Bon, c'était pas vraiment la patrie des droits de l'homme, hein, mais parce que on a, bref, vous avez vu la suite. Elle a une formation intellectuelle qu'elle acquiert au lycée Racine, dans le 8e arrondissement de Paris, où elle obtient son certificat couronnant la fin des études secondaires. Voilà. Alors, au cours des deux premières années de la Seconde Guerre mondiale, elle endosse le rôle d'assistante sociale dans les camps d'internement du sud de la France, véritable camp de transit pour les Juifs vers la déportation. Ouais. Déjà, nous, on était déjà équipés. Hein. Il y avait les républicains espagnols qui avaient goûté, etc. etc. Non, on n'a rien à envier aux Boches de ce côté-là. Alors elle ravitaille les internés, elle leur procure des vivres, des vêtements, des couvertures et de quoi s'occuper pendant le jour. Car en effet, dans ces centres de soi-disant transit, on n'occupait pas du tout les prisonniers. Ça ajoutait la vacuité des journées, si vous voulez, ça participait à leur dégradation morale et physique. Tout ça, c'était bien voulu, hein. Et puis à un moment, elle est consciente de l'accélération des persécutions envers les Juifs. Et elle propose de recueillir les enfants que les mères souhaitent mettre à l'abri des déportations, s'engageant à s'assurer de leur bon traitement. Alors pour cela, elle se balade en France à bicyclette. Ça peut penser à Paulette, à bicyclette pour tenter d'obtenir des cartes de ravitaillement, de rationnement plutôt, et rencontrer des familles d'accueil, parce que le problème, c'était de rencontrer des familles d'accueil pour des enfants juifs, malgré qu'elle ne disait pas forcément aux familles d'accueil que c'était des enfants juifs, parce que c'était plus dangereux, surtout en zone occupée, quand elle a été occupée par les Boches. Alors là, il fallait faire attention à sa peau si on recueillait des enfants juifs. Hein. À partir des grandes rafles de l'été 42, et plus particulièrement de celle du 16 juillet 42, communément appelée la rafle du Veldiv, voilà, la situation empire. Bon, c'est un tournant dans l'histoire de l'occupation allemande en France. Un tournant d'ailleurs aggravé par la coopération complètement, comment dirais-je, débridée de l'État vichysois. Voilà, là, ils en faisaient plus que ce que les Allemands leur demandaient. Bon. Alors, des familles entières partent évidemment dans la zone pas encore occupée, la zone sud, pour échapper évidemment aux persécutions, aux exactions nazies. Voilà. Cette situation, Mila Racine la ressent très très mal et refuse obstinément que ça se passe comme ça. Quoi. Voilà, elle s'est dit, elle a rejoint alors Saint-Gervais-le-Fayet pour devenir responsable de section d'une organisation juive de résistance en Haute-Savoie. Voilà. Alors, pour répondre justement à la montée en puissance des attaques des Boches et des Vichysois contre les Juifs, Mila Racine, elle en fait encore plus. Elle devient convoyeuse d'enfants, les accompagne jusqu'à la frontière suisse, hors de portée des nazis. Les Italiens qui s'étaient débandés dans leur zone d'occupation à partir de 1943 sont remplacés par les Allemands. Voilà. Alors, avec les Allemands, c'est pas de la rigolette, parce que les Italiens, encore, ils étaient assez mous du genou pour réprimer, si vous voulez, les Juifs. On sait bien qu'en Italie, ça n'a pas été le mot d'ordre comme en Allemagne ou comme en France. Hein. Mais avec les Allemands, évidemment, tout change, quoi. Voilà. Alors, elle est arrêtée à Saint-Julien en Genevois, et elle prétend qu'elle s'appelle Anne-Marie Richemont, qu'elle est née à Grenoble, dans le département de l'Isère, en 1923, au mois de septembre. Voilà, un mensonge qui lui évite dans un premier temps la déportation vers l'Allemagne. Comme je vous le disais, s'il s'était aperçu qu'elle était juive, elle partait direct en Allemagne en camp d'extermination. Hein. Bon, cette nouvelle parvient à Annemasse, à ses camarades, et qui comprennent immédiatement que ça va mal aller pour leur réseau. Parce que si elle parle, et voilà,
ça peut être... Alors, c'était le coup classique dans les réseaux. C'est pour ça que quand il y avait des rencarts, s'il y avait 3 minutes de retard, tout le monde se volatilisait, parce que, bon, ça pouvait vouloir dire que un de leurs membres était arrêté, etc., etc. Vous connaissez, enfin, j'espère que vous avez lu des livres et vu des films là-dessus. Autrement, mais il faut faire un cours de rattrapage intensif. Hein. Voilà. Alors, elle refuse absolument d'abandonner les enfants. C'est pour ça qu'elle reste en prison, d'ailleurs, parce qu'on propose de la faire évader, etc. Voilà, et elle veut absolument pas, l'entendre parler, voilà. Parce qu'elle ne veut absolument pas abandonner, ou ils ne veulent, parce qu'ils sont plusieurs, mis la racine, aller avec Roland Epstein, voilà. Et ils parlent d'une seule voix, ils veulent absolument pas abandonner les enfants. Voilà, en effet, les enfants ont tous été arrêtés, les enfants qu'ils passaient, et voilà. ils sont âgés, il y en a 32, de 2 ans et demi à 18 ans. Voilà. Le maire d'Annemasse, c'est lui qui était reconnu juste et qui est sur le mur du mémorial de la Shoah. C'est à Jérusalem ou à Tel Aviv? À Tel Aviv, je pense. Donc, juste parmi les justes, voilà. Et ben, il a tout fait pour aider Mila, aider les enfants, etc. Il avait de l'entregent, il était un peu écouté par les Allemands qui occupaient Annemasse, et il a pu comme ça venir en aide aux enfants, mais il a pas pu, si vous voulez, sauver Mila, etc., etc. Voilà. Mila Racine et Roland Epstein alors sont transférés à la prison de Fort Montluc à Lyon. Mila c'est toujours tait son identité juive. Elle est alors envoyée au camp de Royal Lieu à Compiègne. Fin janvier 1944, c'est là qu'ils regroupaient les femmes, les terroristes femmes arrêtées. Et en 1944, 958 Français sont déportés de Compiègne par le convoi numéro 85 vers Ravensbrück le 3 février 1944, lors de leur arrivée au camp, dans les wagons à vestiaux. On leur tatoue leur numéro d'identification sur l'avant-bras. Le premier numéro inscrit fut le 27030 et le dernier le 27 988. C'est pour ça qu'on l'appelait le convoi des 27 000. Ouais. Voilà. Mais il n'était pas 27 000, il était à peu près, pas tout à fait 1 000. Voilà. Alors évidemment, ils décrivent ses compagnons qui sont des grandes figures de la résistance, Marie-Josée Chomard, de Louvenet, Germaine Tillon, Denise Vernet décrivent la conduite de la jeune femme comme étant exceptionnelle, voilà, fidèle à son attitude combative et à son éthique, Mila Racine tend inlassablement d'apporter des réconforts aux internés. Voilà, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Elle voulait se laisser vaincre ni par l'ennemi, ni par ce milieu dans lequel nous vivions. Elle était toujours gaie, et vous savez ce qu'il en coûtait d'efforts serviables. Elle s'occupait beaucoup des vieilles femmes et des malades. Voilà. Mila Racine parvient encore à organiser une chorale à destination des enfants. Voilà. Et puis, alors, un manque de... Enfin, c'est le destin, ça. Elle se porte volontaire avec un commando de travail extérieur pour réparer les voies bombardées par les Alliés, et manque de peau. Ce jour-là, les Alliés ont encore bombardé les voies, et elle est morte là, sous les bombes des Alliés, à quelques jours de la libération du camp de Ravensbrück. Voilà. Bon, ça c'est si vous voulez, vous pouvez voir tout ça, regarder tout ça et lire tout ça dans la BD consacrée à Mila Racine. Vous voyez sur la couverture, alors voilà, Femme en résistance, numéro 4, Mila Racine, des enfants réussissent à passer clandestinement en Suisse, voilà. Et c'est donc en BD l'histoire de cette jeune femme extraordinaire, sauf que, et je crois que ma camarade Piquécou est assez d'accord avec moi, on ne retrouve pas, si vous voulez, dans cette BD l'émotion légitime que pourrait susciter la vie de cette femme extraordinaire. Voilà, il y a pas... Est-ce que ça tient au scénario? Probablement, c'est toujours le scénario qui prime dans les histoires de BD, mais aussi peut-être à l'iconographie. Voilà, et curieusement aussi, je faisais remarquer à ma camarade
qu'on voit aucun insigne qui peut dire que les Allemands sont des Allemands, qui sont des officiers, qui sont des soldats. Voilà, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des nazis. Il y a juste un temps... Ah, tiens, je viens de voir un truc. Non, on voit rien, oui. Ouais, non. C'est vraiment curieux, parce que j'avais vu... Non, j'ai dit dans un truc de lecture de Bayard pour les enfants, là, pareil, c'était le camp Drancy. Et là, curieusement, tous les insignes des gendarmes, etc., avaient été effacés à la photogravure. Voilà. Et j'ai l'impression que là... Alors, est-ce qu'il y a une internationale de la... comment dirais-je, de l'effacage d'un signe désignant, si vous voulez, les bourreaux, c'est possible, hein. Non, même il y a joué un Italien, là, très gentil, un soldat italien qui garde soi-disant la frontière et qui laisse passer un petit garçon, ben, c'est pareil, il n'y a aucun signe distinctif qui peut dire que c'est un Italien, voilà. Et moi, ça me choque, voilà, de dire que je ne comprends pas. Parce que on dit... Donc, ça participe aussi à une espèce de... Il y a comme dans cette BD, c'est lisse, quoi. Il n'y a pas de choses qui vous disent... parce que moi, c'est pas la première BD que je lis, j'en ai lu, mais qui me faisait frissonner, comme des bouquins, comme des films. Là, non. Tout est lisse, tout se passe tranquillement. Il y a juste une scène un peu violente, là. Une ou deux scènes un peu violentes, surtout avec une héroïne qui, justement, Picou m'a dit qu'elle n'était pas... c'est un personnage fictif. En fait, le scénariste, pour relier les histoires de ces quatre femmes, a inventé une espionne allemande qui va un peu prendre conscience de son boulot, donc du premier livre avec Amy Johnson, où elle va dénoncer Amy Johnson. Là, sur le quatrième volume avec Mila Racine, elle est en repentance, elle a été découverte par les Allemands, donc elle est dans le même camp que Mila Racine, et elle va adopter la petite fille dont Mila Racine s'occupait avant de mourir. Donc ce personnage est fictif, il sert de lien. Et ce qui est un petit peu dommage, effectivement, c'est que on en a lu deux sur les quatre. Il y a cette recherche. En fait, on est dans des scènes contemporaines. Donc, il y a une recherche. Pourquoi? Qui était un tel? Qui était un tel? Donc, il y a des rendez-vous avec une bibliothèque. Et ça coupe complètement l'histoire. Effectivement, on s'est dit que c'était pas forcément utile de passer par là, que la vie de ces femmes aurait pu se suffire et qu'on était plus dans l'émotion. Là, on a du mal à percevoir toute cette prise de risque, tout ce qu'il y avait derrière ces engagements, en fait. Effectivement, c'est un peu trop lissé. Ça va très vite. C'est un peu dommage, quoi. Ouais. Oui, parce que je dis, à part une scène ou deux de violence, vraiment, là, on voit une femme nazie, une gardienne de prison, qui file un coup de matraque à une nana, là. Bon, là, c'est voilà. Mais ça, c'est une image dans un bouquin qui en comporte quelques centaines, quoi. Voilà. Donc, non, deux, trois images comme ça aussi, avec cette... ce fil rouge qui relie les quatre albums, cette espionne allemande, Gerda, là, qui se fait vraiment esquinter par ses coreligionnaires quand il découvre qu'elle est une traîtresse. Ouais. Voilà, bon. Moi, j'ai pas trouvé non plus que, si vous voulez, ce fil rouge, cette Gerda, c'est pas très intéressant, quoi. Je dois dire que ça ajoute rien au récit. Je trouve que les récits sont assez dramatiques, assez extraordinaires pour se suffire à eux-mêmes, qu'il n'y avait pas besoin d'introduire dans cette histoire un personnage fictif qui n'amène pas grand-chose à l'histoire, quoi. Ouais. Alors apparemment, je crois que c'est le même scénariste, hein. Je crois que c'est Régis, ouais, Sautière qui est scénariste, et les dessinateurs sont différents sur chacune des BD, je crois. Ils sont différents, mais bon... Mais bon, le graphisme, il n'est pas spécialement réussi non plus. Il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner. Ouais, tout à fait. Alors, nous, on a eu envie d'en parler quand même, parce qu'on trouve que c'est important de parler de ces femmes, de parler de ces mouvements de résistantes. Donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette émission autour de prendre ces femmes. De là à vous conseiller de lire la BD, c'est une chose. Elle peut être empruntée en bibliothèque. Bon, c'est
c'est l'occasion de rentrer dans l'histoire, mais après, il faut vraiment aller chercher d'autres infos, quoi. Bah, il faut surtout aller au Mémorial de la Shoah à Paris, où il y a cette exposition consacrée, justement, à la résistance des femmes, voilà, pendant la guerre. Et alors, il y a les résistantes juives, c'est très important d'en parler, parce que si les résistantes femmes qui ne sont pas juives sont ignorées, imaginez les résistantes juives. On a dans l'idée que les juifs n'ont pas résisté, il y a plus d'un million et demi de juifs qui sont battus en Europe contre les nazis. Alors, faut quand même, hein, il faut remettre les pieds sur la terre, ils ne se sont pas laissés abattre comme des moutons, comme c'est comme on le colporte de bignole en bignole, hein, depuis la guerre. Non, ils se sont battus avec acharnement et d'une manière voilà, et avec rien comme atout dans la manche, personne ne les soutenait, hein, il fallait qu'ils se démerdent tout seuls, hein. Et puis on vous en passe les meilleurs, parce qu'on en apprend tous les jours des sévères à ce propos-là. Il n'y avait pas une unanimité pour les soutenir, même chez les sionistes, hein, voilà. Donc bon, ça, c'est l'objet, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission un jour, voilà, parce que bon, en tout cas, si vous voulez, des jeunes femmes, elle est morte à 26 ans, hein, faut bien l'oublier. Sophie Scholl, elle est morte elle est morte à 23 ans, et Bertie Albrecht, je sais plus, elle est morte jeune aussi. Ou très jeune, ouais. Voilà, c'était des très jeunes femmes. Il n'y avait pas que des très jeunes femmes, il y avait des femmes un peu plus âgées. Vous verrez ça, ouais, si vous allez, ouais, au Mémorial de la Shoah. Plus âgée, ouais. Ouais. Mais effectivement, dans les histoires qu'on a pu parcourir, elles sont mortes. Il y en a beaucoup qui sont mortes vraiment très très jeunes, quoi, qui, ouais, se sont engagées à 17, 18 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, bon, c'est important de parler de cet engagement des femmes dans un conflit le plus meurtrier qui ait jamais existé. C'est 30 et quelques millions de morts en Europe, hein, compris la Russie, etc. Voilà. Bon, 6 millions d'Européens de confession juive, mais faut pas oublier les Roms, faut pas oublier les Russes qui ont, quand ils étaient pris par les Allemands et dans les camps de la mort, là. Il y a Kavanagh qu'on parle d'ailleurs dans les Ruskov, hein, et dans les Ruskov. Bah, dans les Ruskov. Oui. Voilà. Non, il y a eu, sans compter les homosexuels, sans compter les tziganes, les communistes, eux aussi les handicapés, voilà, qui étaient tués. Ils étaient tous liquidés en Allemagne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, alors, et curieusement, toutes ces minorités, on les oublie, voilà. C'est la France libre avec le général de Gaulle, c'est Roosevelt, c'est Churchill, c'est Staline, mais eux, ils avaient le cul dans leur fauteuil, hein, sur le terrain, c'était autre chose, et particulièrement pour les femmes juives en résistance, voilà. Et donc, il faut leur rendre cet hommage, et pour le rendre, ben, il faut se déplacer, il faut aller au Mémorial de la Shoah, montrer l'intérêt que vous portez pour la mémoire de ces femmes engagées dans une lutte mortelle, parce que bon, pour la plupart, il y a eu très peu de survivantes. On a quelques photos sur un mur là de femmes survivantes, voilà, mais âgées évidemment maintenant, mais la plupart, comme dans la résistance classique française, c'était la plupart des très jeunes gens qui s'engageaient pour se battre contre les nazis. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour, boum. Promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour,
Homme. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. C'est bon comme un bonbon. C'est doux comme un bisou. Aussi chaud que le soleil. La huitième merveille. Sourire d'amour. Comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes, le sourire d'amour. Oh, oh, quand il est pour toi, tu peux pas te tromper, droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. Ouais, c'est bon comme un bonbon. C'est doux comme un bisou. Ça efface la galère. Tu porterais la terre entière. Sourire d'amour. Oh, ce petit plissement de frimousse. C'est la vie qui éclabousse. Et sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon. C'est doux comme un bisou. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'un mot. Voilà, c'était le sourire d'amour par Flo. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. La voix sans Dieu, sans maître et sans pub. L'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui à Femmes en résistance, au prétexte d'une série de 4 albums qui est sortie chez Casterman, consacrée justement à ces femmes en résistance. Voilà. Et aussi à une visite qu'on a effectuée au Mémorial de la Shoah à Paris, où une exposition est consacrée à ces femmes en résistance de toute l'Europe, avec une partie plus particulière, évidemment, sur la résistance des femmes juives, et le sauvetage des enfants, avec en particulier Mila Racine. Voilà. On va passer maintenant aux annonces dont ma camarade de Pichetou va se blanchir. Aux expos, Robert. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors, on peut rappeler toujours notre chuchu, là, hein, qui est à Publico, qui expose des tapisseries, qui expose des gravures, qui expose des collages photos et des broderies. Mmh. Donc, allez-y, hein, c'est sympa comme tout. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir son boulot. Il y a l'exposition de Michel Nedjar. Ça, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais comme c'est une exposition qui se termine le 23 octobre, ça, c'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est Présence, 71 rue du Temple à Paris 4. Michel Nedjar expose des poupées, hein, des poupées qu'il a fait à partir de schmates. Hein, schmates, c'est des rebuts de tissu, et il expose surtout une œuvre graphique qu'on voit beaucoup moins. Ouais. Michel Nedjar, qui est à l'origine du musée de la Racine à Neuilly-sur-Marne. Mmh. Donc il y a l'exposition Femmes en résistance, donc au Mémorial de la Shoah. Elle est prolongée jusqu'au 23 octobre. Là, c'est au 17 rue Geoffroy Lanier. Il y a Julien Signolet qui expose, qui est sculpteur, qui travaille sur des œuvres un peu autour du Japon, qui expose à la mairie du 7e, avec des peintres aussi.
Il y a le, il y a la, alors, c'est la 85e exposition du Cercle des Gobelins. Alors, la 80, ça, c'est la mairie du 13e. Et c'est une exposition qui va démarrer le 4 octobre. C'est du 4 au 15 octobre. Donc, il y a un spécial. Il y a une partie réservée à la BD, mais il y a surtout. Je ne sais plus combien d'artistes qui exposent là, donc c'est le cercle des gobelins. Et c'est le vernissage c'est le Mardi 4 mardi octobre. 4 octobre à partir de 18h. Donc peinture, sculpture, gravure, etc. Il y a Claire Archenault qui était venue dans l'émission avec les Urban Sketchers. On avait passé un bon moment. Ils nous avaient croqué pendant toute une émission, pendant qu'ils nous racontaient un peu leur travail. Donc, à l'expo, c'est l'ouverture des ateliers de Ménilmontant ce week-end. Elle est à l'atelier des Amandiers, mais c'est les portes ouvertes des ateliers de Ménilmontant. Voilà, et je voulais préciser, c'est pareil, il y a eu un petit info qui est passé. Le musée Carnavalet va fermer ses portes. Le musée Carnavalet, c'est un musée qui regroupe toute l'histoire de Paris. Et là, il va fermer ses portes pendant 3 ans. En fait, il va être complètement rénové. Donc, il y a plus de 600 000 œuvres qui vont être déplacées dans un lieu secret. Et il faudra pratiquement une année pour aller mettre ses œuvres à l'abri. Et après 2 années. Un petit peu moins pour restaurer le musée, pouvoir le réouvrir. Donc, il y a une petite vidéo que j'ai mise en ligne. Où on voit effectivement comment les gars emballent tout minutieusement, que ce soit les objets de la chambre de Marcel Proust ou alors les grands tableaux tartines de l'histoire de Paris, quoi. Ouais. Et puis, il y a l'argile de l'estampe populaire aussi. Ouais, alors ça, c'est un peu plus tard. C'est pour ça que je ne l'avais Ah, pas. d'accord, Ouais, d'accord. ça, c'est le 23 octobre. Donc, Ouais. je me dis qu'on va le rappeler Ouais, le moment venu, quoi. bien sûr. Bien, ma chère camarade, et le culturel de la semaine, alors? Alors, le culturel de la semaine, nous, on n'a pas vu grand-chose, mais pour rester sur le thème de notre émission, on peut citer quand même au moins 2 films. Le premier, bah, c'est Le vieil homme et la mère. Hein. C'est Ouais. un film de Claude Berry de 1967 avec Michel Simon. Donc, Michel Simon, qui justement est antisémite, qui est un vieux poilu de la guerre de 14 et qui vit avec sa femme et qui va accueillir un enfant juif, mais il ne sait pas du coup que cet enfant est juif et qui va petit à petit, bah, voilà, qui va se prendre d'amour pour ce gamin, Ouais. quoi. Ah, ça, c'est un film magnifique et vraiment, si vous pouvez le revoir, regardez-le à nouveau. C'est, moi, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, parce que j'aime bien pleurer, mais bon, voilà. Mais c'est en même temps, si vous voulez, ce film, on peut penser que ça existait, voilà, au moins certainement avec tous les gens, enfin tous les gens qui ont accueilli des enfants pendant la guerre, Ouais, des enfants que plaçait Mila Racine quand elle le pouvait, voilà. voilà. Et puis il y a un film qui s'appelle Les femmes de l'ombre. Donc c'est avec un groupe de femmes résistantes françaises. C'est un film de Jean-Paul Salomé qui est sorti en 2008. C'est un film que bon, on n'a pas eu l'occasion de voir, donc on peut pas savoir vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, on est dans le thème de l'émission, quoi. Il y a, je crois que Voilà. c'est 5 femmes qui vont rentrer dans la résistance française, quoi. Bon, ben, petite amusette d'enfant de mensonge. Ouais, à Au galopard. galopin, papa que maintenant. Nadie la muerte si va en tu montura.
galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar.